Bonjour à tous, si vous avez suivi la partie 1, sinon bonjour à tous, bienvenue dans Indiana Craft, présentation de map aventure. Donc maintenant on va vous présenter la deuxième partie de la map Dr. Mouek et les jeux vidéo de Renwood. Donc première partie, petit résumé, on a fait le jeu vidéo parce qu'en fait on est un scientifique et on a trouvé comment mettre son corps dans un jeu vidéo. Et donc on a fait toutes les épreuves du jeu vidéo, et maintenant on a découvert qu'en fait dans le jeu vidéo il y avait des personnes comme nous qui avaient une conscience propre et tout, et en fait il y a un dictateur, il s'appelle Shundar ou un truc comme ça, et on est dans sa ville avec le seau au plafond. Et c'est quoi ce seau, monsieur Clément? L'atome, non? C'est bien. Je suis trop fort. Bah oui. Alors donc là il y a 4 salles. Salle de tir à l'arc. C'est bien. Ouais, ça j'adore ça. Et y a une moi salle, aussi. Bah tu peux le faire, tu vois. Il y a une salle où on peut entrer, et après dans chaque salle, c'est la salle de la torture, tu viens. Et après il y a... Ça promet. Et après il y a une salle où on peut... Non, je suis con. Attends, il y a une salle où on entre, et puis après dans chaque salle, il y a un levier qui ouvre la porte vers la salle. Voilà. J'y suis arrivé. On a une chance sur trois de mourir, c'est ça? Ouais, donc moi je sais lequel c'est, mais je vais quand même te laisser essayer. Juste pour le fun, tu vois. Après tu peux, d'accord. Tu peux toujours te TP. Téléporter. Oui. C'est bien. Oh, je suis trop fort. Mais non. Au revoir. Ah bah dommage, t'es sorti. Ok, vers la salle de tir à l'arc. Donc. Ouais. Hop, c'est par là. Donc, je sais plus par où c'est. Tiens, je sais où c'est que c'est. Viens, suis-moi. Et au pire, il y en a que 4, donc... Ouais, t'as une chaise sur 4. T'as sur 3, mais non. Bah oui. Donc, alors, je te laisse prendre l'arc et tout. Te loupe pas, parce qu'il y a que 6 flèches, en fait. Ah. Et un arc. Donc, tu vises un tout petit peu plus haut et tu tires. Hein. Donc, faut viser les tableaux, et après, les tableaux, ils tombent, et puis c'est bon. Ah bon, non, c'est vrai. Bah oui. Allez. Bien. Je suis tireur d'élite. Ouais. On t'appelle Apache. D'accord. Oh non. Merde. Oh non. Clément. Je l'ai fait 5 fois, tu sais. Et je me suis pas loupé une seule fois. Oh là là. Ah, attends, une flèche. Voilà. Mais non, mais t'as que le nombre d'unité de flèche. C'est bon? Ah, mais non, attends, c'est pas tombé. Il est resté coincé en fait. Ah, c'est haut. Hop, c'est bon. J'arrive. Bon, désolé, on a un peu triché, mais bon, il faut que ça continue la vidéo quand même. Alors, vers la salle de la patience. Alors, la salle de la patience. La salle de la patience, c'est très spécial. En fait, c'est très chiant. C'est très chiant, voilà, merci. J'osais pas le dire. C'est une salle où on faut être très patient. Donc voilà. Ah non, ça blague. On s'imagine la scène, comme vous pouvez le voir, il y a des toiles d'araignée. Et c'est très long, moi ça m'a pris 10 minutes de passer tout ça. Donc on va sauter l'épisode en fait, et on va chercher tout ce qu'il y a. Et après on va continuer la vidéo, donc à tout de suite. Ok. Oh bonjour, on a fait la salle de la patience d'une manière plutôt impatiente. Ouais, on peut dire ça. Ouais, voilà. Donc, on en est à la salle numéro 4, la salle des pistons, qu'on va pas faire, parce que déjà, les pistons, ça fait laguer notre serveur. Et en plus, ça va prendre super longtemps, parce que c'est assez dur. Moi, j'y suis pas arrivé, personnellement, je suis un peu une merde. Donc, donc on va tricher un peu. Donc, je vous explique juste rapidement. On a le droit de mettre des leviers sur les blocs de laine rose et bleu. Sur les blocs de laine rose, on n'a pas le droit de les enlever. Sur les blocs de laine bleue, on a le droit de les enlever, les leviers. Ok, donc... Hop, voilà. Ça, la porte s'ouvre et là, le truc est déjà tombé parce qu'on l'a déjà fait, mais c'est pas grave. Donc, maintenant, on en est à... attends, je bouffe un coup. Vas-y, fais-toi plaisir. Hop. On mangera un gâteau avant de se faire le boss. D'accord. Si ok, donc, là, il y a le grand escalier. Ouais, d'accord. Et maintenant on approche de la fin de la map où on doit combattre un bleu dictateur donc. Donc je vous expliquerai ça après.
Donc dans la description il y aura un lien vers mon site internet de calibre901.com sans le www, et c'est un site donc exclusivement réservé à Minecraft, avec une partie sur Battlefront et Portal 2, sans doute. Donc il est actuellement en construction, et c'est bon, t'es vivant? C'est bon. Ok, et je vous invite à aller voir également, et pas moi, je suis pas mort du tout. Tried to swim in lava. Ça veut dire à essayer de nager dans la lave. Bon, c'est pas grave, j'ai TP. Clem 1846. Donc, le truc qui est con, c'est que maintenant je bug un peu, donc je suis un peu désolé, donc je vais parler pendant un instant, mais ça va venir, vous inquiétez pas. Donc, attends-moi avant de continuer, s'il te plaît. Ah, pas de problème. Tu m'attends, hein? Ok, donc qu'est-ce que je veux dire? Je vous invite aussi à aller voir le site de Clément. C'est quoi déjà? Vas-y, présente-nous. C'est un site sur Battlefield 1942. L'adresse du site c'est http://battlefield1942-timbal.fr. Enfin, wifio.fr, non? Ouais, voilà. Ouais, non, c'est .fr.wifio.fr. Ah, ok. Voilà. J'ai mis deux fois. Alors. Si vous voulez découvrir Battlefield 1942, ben allez le voir. Ok. Donc, on en arrive au boss. Schinder est le plus grand distalis. Désolé de te demander ça, mais tu vas devoir le vaincre. Aux dernières nouvelles, il est en pleine mise à jour. Il ne pourra donc pas résister. Checkpoint. Checkpoint? Attendez la nuit pour dormir. Non. Voilà. Non, on n'a pas envie. On a la flemme. C'est clair. Flemme de dormir. Nous, on est... Donc, voici monsieur le boss. Oula, il a une sale tête lui. Et il est en mise à jour, donc il ne peut pas nous faire du mal. Donc le site, je sais pas si Clément l'a dit, mais c'est donc un truc sur la team de Battlefield 42. Mais voilà quoi, c'est aussi sur Battlefield 42, hein, c'est pas juste sur la team. Hop. Donc là, lancement des missiles, mais d'abord il faut activer les canons. Et pour activer les canons, il faut passer par là, et pour passer par là, il faut trouver le levier, et pour trouver le levier, je sais pas comment on fait. D'accord, bon. Mais comment on fait pour trouver le levier? Ça, j'ai jamais trouvé, je sais pas pourquoi. J'ai aucune idée comment on fait, en fait. Trouver le levier comment, c'est-à-dire? En fait, si tu veux, il y a une porte en haut, peut-être que c'est là. Il y a une porte en haut, et puis, faut l'ouvrir, mais je sais pas comment on fait pour l'ouvrir. Ah mais est-ce que ce soit dans les étages? Peut-être que t'as regardé? Ouais, j'ai regardé, ouais. Enfin, regarde si tu veux, mais je suis à peu près sûr que... Okay. Ah, il y a un truc qui s'ouvre là. Ah ouais? Ouais. Ah bah c'est peut-être ça alors. Parce que je viens d'appuyer sur la mise en marche du système de défense. Mais Ah ouais, il y a une porte là. En haut? Ouais. Elle est ouverte? Ah, il y a un bouton avec un rail. Non, pas tout en haut, c'est deuxième étage. Deuxième étage. Hop. Deuxième étage. Mais t'es où? Là, en dessous. Salut. C'est là la porte. Ah ouais, ah bah pas con. Ok, bah tant mieux, on a trouvé. Bah vas-y, tu me rejoins. Ouais. Hop. Donc qu'est-ce que j'ai? Ah oui, pendant les... Peut-être ces vacances ou pas, bah on va voir si on a le temps. On va peut-être faire une petite animation Minecraft, mais... de guerre, on peut dire ça. Voilà, avec le mode SDK. Voilà. Avec le mode SDK, où on va... et sur la map Oma Beach, que c'est Clément lui-même qui a fait. Ouais, je suis en train de courir. Ne saute surtout pas dans la lave. Où j'en étais? Ne saute surtout pas dans la lave. On te dit. Ok. Donc là, t'es en train de charger. Voilà. Donc on veut faire un truc, peut-être en rapport avec le soldat Ryan. Donc il y aura un débarquement. La map elle est très bien faite, c'est Clément qui l'a faite. Et puis voilà quoi, on va faire une petite animation, peut-être avec donc de la musique, tout ça. On va voir si c'est réussi ou pas. En tout cas, je vous inviterai à aller le voir. Et on va mettre aussi le lien de la map à télécharger. Ouais. Ouais, pas con, j'avais oublié de le dire. Là je sais pas je sais pas comment on passe là. Vas-y, essaye de passer. Oh, je suis passé. Oh, je suis passé. Oh, je suis passé, je suis si content. Oh, je t'attends là. Hop, hop, si tu veux. Mais non, parce qu'il faut passer de toute façon, donc va falloir que tu viennes. Ah bon? Ouais. Oh, c'est dur. Oh, c'est dur. Oh, c'est dur. Ok, canon numéro 1. Donc j'ai activé un canon. Voilà.
Non mais faut repartir. Ah bah non, en fait faut pas passer, donc je m'étais trompé. Voilà, comme d'habitude. Comme d'habitude. Merci. De rien. Voilà. À la tienne. Donc on passe par là. Putain, y'a trop mes cartes. Ouais. Eh vas-y, tu m'as fait reculer. Putain, tu fais chier. Est-ce que j'ai parlé déjà de la map survival qu'on va faire là dans la partie 2? De la partie 1, je sais, oui. Pas dans la partie 2, je crois. Bon, tant pis. En tout cas, je sais pas si je l'ai déjà dit, hein, je me rappelle plus, mais en tout cas, pendant les vacances, on va faire une... Enfin, demain, sans doute. On va faire une map survival sur... la map de Sunken Island. Et oui, on va se fixer des objectifs et on va faire une suivi de la map aventure. Et maintenant, on est encore bloqué parce que la porte est toujours fermée. Ouais, c'est normal parce que là, j'ai vu, il y a deux portes sur... Il y a une porte par étage. Donc, il faudrait trouver... Attends, il y a un levier là. Ah, fait, d'accord. T'as trouvé un... Ah, mais je... Ouais, ah, voilà. Mais con, je l'avais même pas remarqué. Non, mais c'était bien caché, ouais, quand même. C'est clair. Donc c'est là, et maintenant... Celui qui a fait ça, il y a eu du gros travail, je pense. Ouais, c'est Redmoot. Ah ouais, Redmoot, t'as fait du beau travail. Ouais, d'ailleurs, je pense qu'il est en train de regarder la vidéo, peut-être, parce qu'il a regardé l'autre, et puis voilà. Ça lui a pas trop plu, je crois, donc voilà. Ah, ouais, parce que tu avais pas dit son nom, c'est ça, non? Ouais, aussi, au pire, c'est pas grave. Hein. De toute façon, c'est vrai, elle était nulle, la vidéo, pour être clair, parce que j'avais pas mis le micro. À l'arrache, donc ouais, voilà. Voilà quoi. Donc les portes ils sont encore fermées. Hein. Ouais, d'accord. Tu l'as trouvé où le levier que t'as actionné la première Alors, porte? Derrière le boss, il y a une porte. Une porte derrière le cul du boss, il y a une porte. Ah ouais. Et sinon, si on trouve pas, va falloir tricher, hein. Parce que sinon la vidéo elle va durer 3 heures. Pourquoi il y a des prix sur plaque là? Des prix sur plaque. Ah oui, tu t'en fous ça, tu laisses. Sauf que c'est toujours fermé, non mais c'est nul ça. Mais est-ce qu'il y a une autre porte quelque part? Il y en a deux en fait par étage là. Là, ici, il y en a deux. Oui, non mais je sais. Mais je veux dire une autre porte par là. Je sais pas. Bon, pire, ouais, bon. On va laisser. On va y aller version trichée. Attends, je prends des torches. Pourquoi des torches? Parce qu'il y a des trucs cachés. Tu viens? Hop. Ah, attends, je crois qu'il y a un truc là. Où ça? Ah, ça c'est de la TNT. Oui, ouais, bah tu n'y touches pas. Il hein. y a le canon juste derrière le bonhomme. Ah bah oui, je sais, ouais. Faut pas y toucher parce que c'est pour... Bon, tu viens? Parce que moi j'ai pas le tout many item et on va prendre des leviers pour ouvrir les portes. J'arrive. Faut se dépêcher un peu ça parce que sinon la vidéo elle va être trop longue. Hop. Je cours, je vole. Si tu veux. Non, on peut pas voler, mince. Allez viens. Nul. Alors. Yeah. Voilà, donc t'en prends quelques-uns. Hop, on ouvre voilà. Là. Ça va pas. Mais c'est normal, faut la mettre là, le levier. Voilà. Hop. Donc, alors. Les panneaux notés d'un 5 sont les paroles de Shindar. Arg, mais que se passe-t-il, garde à moi? Ne t'inquiète pas, Algapadoué, l'armée révolutionnaire a mis hors d'état de nuire la garde de Shindar. Tant mieux. D'accord. Tant mieux. Voilà. Il nous fera c'est pas clair. Chier. Alors, deuxième panneau. Après avoir appuyé sur le bouton, vous avez 40 secondes pour passer la porte de la fin du labyrinthe. Oh, putain. Vous pouvez planter des fleurs pour marquer votre chemin. Faites un bon usage. Vas-y, je prends les... moi je prends les jeunes. Allez, 3, 2, 1. Okay. Tu veux une petite fleur? Non, merci. Vas-y, tu prends le chemin ou pas? Non, vaut mieux pas se séparer. Ouais. Oh putain, ouais. On a 40 secondes pour passer la porte du labyrinthe. Ça, j'aime pas dans les jeux quand il y a c'est du clair. Temps. Bon, je crois qu'on s'est séparés. Oui, bien. Oh, salut. Bien, suis-moi. Oh merde. Putain, 40 secondes. Bon là on en est déjà sûrement à la moitié. Non, on a 10 secondes. Ah ouais? Je pense. Oh merde, bon bah tant pis hein, on va devoir que... Enfin je sais pas ce qui se passe.
Oh, t'as entendu ça? Ah. Oh non, oh non. Oh, il y a des lingots là. Des lingots, j'ai trouvé des lingots. Cool. Mais faut trouver la porte. Ouais, je cherche. Merde, merde. On est un peu perdu là quand même, bon. Donc, ouais, un peu beaucoup. Chers spectateurs, ne découragez pas, nous allons trouver la sortie. Mais prenez votre temps. Un jour oui, peut-être. Allez chercher un gâteau à manger ou quelque chose. Ah, une porte. Une porte. Une porte. Une porte. Une porte. C'est un miracle. Ouais. Et c'est canon 2. Quoi ? Une porte, il doit y avoir devoir actionner ouais, un levier, alors. Je pense. Attends, je suis en train d'actionner le levier là. Oh, j'ai réussi à actionner le levier. Beau levier. Oh, mince. Bon. Oh mince. Oh, mince. Again. Bon, désolé. C'est pas notre faute. Enfin, si, c'est notre faute. Hein. Bon, voilà. Oui, c'est la faute à Rafi. C'est pas ma faute du tout. C'est bon. J'ai actionné le canon. Ah bon ? Ah, d'accord. En fait, il fallait. Je sais pas. On a fait une connerie ? Non, mais j'ai actionné le deuxième canon. Je sais pas ce que mais ça va bien. Ouvrir. Bon, allez, pousse-toi. Hop, allez, c'est parti. Donc, désolé, on a un tout petit peu triché. Mais un tout petit peu, ouais. Au moins, on vous a pas donné les solutions pour toute la map et vous aurez un mystère à résoudre sur la map de Redmouth. Voilà. Ça vous fera réfléchir. Parce que nous. Au lieu que ce soit nous qui vous donnons toutes les réponses. Nous, on n'aime pas réfléchir. Donc, le temps qu'on trouve la sortie, n'hésitez pas à aller chercher un cookie, un gâteau, une pomme. Parce que ça risque de durer longtemps. À votre place, j'irai manger carrément le dîner parce que là, ça va nous prendre des heures. Une truc rouge là. Sinon, ouais, d'accord. Trop romantique, le mec il sait pas reconnaître une chose quoi. Ouais. Ah, je crois qu'on est bientôt arrivé. Je reconnais cet endroit. Bon, tous les endroits se reconnaissent ici. Ah, mais ça y est, je suis sorti. Mais moi, je suis revenu au canon 2. Attends-moi, d'accord. D'accord. En fait, les 40 secondes, c'est rien du tout. C'est pour nous faire peur, je pense. Ouais, je pense aussi. Non bah. Ok, bon, allez, c'est. Ouais. Mais est-ce que ça 40 secondes le temps que la porte s'ouvre? Ouais, non, je pense pas, non. Parce que. Ah, si, je pense que ça et doit être. Vous avez 40 secondes pour sortir, donc. Mais voilà, c'est 40 secondes le ouais, temps que la porte s'ouvre. À 40 secondes, la porte s'ouvre et. C'est ouvert ? Ah, tiens, il y a encore bah une oui. porte là. Il y en a beaucoup. Vas-y. Hop. Procédure de remise en marche de Singa en cours. Vas-y, oh, prends non. Un bateau et c'est parti. Ouais, c'est parti très vite même. Oui, aïe, oui. Non, merde. Clément ? Tu vas quand même y aller à la nage. Ouais, c'est clair. Attends, je suis bloqué. Faut doué. T'as réussi à te coincer la tête dans, voilà. dans les lampes. Bon, j'espère que c'est. De en quoi contre, T'as rien à manger parce que là. Non, j'ai rien du tout parce que moi aussi je crève un peu la dalle. Ouais. Bon, au pire, si on meurt. Hein, enfin, si on meurt de faim, je veux dire, on prendra un peu de nourriture. Parce que je veux dire, bon, d'accord. Vous pouvez penser qu'on est des tricheurs, mais voilà quoi, c'est une vidéo qui dure 3... Si une vidéo elle dure 3 heures parce que les auteurs ils connaissent pas la sortie, non, ça peut devenir chiant quoi. C'est surtout, c'est clair. Donc, on veut pas vous faire attendre voilà. 15 000 heures. Donc, hop. Un coffre. Y'a quoi ? Il y a encore des bateaux. Oh. Des bateaux. Bon. Hop. Ah, petit bug, ça y est. Ah, désolé. De quoi ? Oula. Il y a des leviers partout. Oh non. Oh non. Attends, reste là. Je vais l'autre côté. Il faut que t'actionnes le rouge. De quoi ? Il faut je sais pas, il y a un truc rouge là devant moi. T'as pas un levier rouge bah... Ah t'as ouvert ah, bah, c'est stylé. Et après ah mais c'est pas le bon ah. Ah c'est bon. Aïe. Vas-y tu réactionnes celui que t'as actionné.
C'est lui? Ouais. Voilà, stop. Ah d'accord, en plus il y a un temps, le temps que je passe en fait. Ah vas-y. Fais quoi? Fais quoi? Vas-y, continue à baisser le levier. C'est pifomètre. Allez, encore. Pas le bon. Ah, d'accord. C'est bon? Là tu passes. Ouais. Il y a encore un, il faut actionner le violet. Vas-y, vite. C'est ok, bon. On y est. T'es où? Canon 4. Quoi? C'est bon, j'ai actionné okay, bah, le canon tu 4. Et... Bon. Ouais, mais non, parce que là, il y a... Salut. C'est bon. Je crève la dalle. Ah, t'as combien moi de aussi. Cuisses? Tiens, mange de la bouse. T'as combien de cuisses? 3,5. Non, 2,5. 2, 1 quart, je sais pas. Eh merde. Voilà. Pff, encore? Bon. T'es pas doué. Bon, alors, on va laisser les deux autres salles. Parce que je crois qu'il y en a encore deux. Mais on va les laisser. Parce que sinon la vidéo elle va durer très longtemps et puis en plus ben on n'a pas besoin de toutes les salles parce que moi j'ai déjà fait la map sans en actionner une seule en fait donc on va pas se faire chier et on va vous laisser découvrir Clem j'ai plus de vie. Vite, ah. Un gâteau. Gâteau ça donne du pain. Si, pourquoi j'ai pas de confiture hein. Merci, c'est vrai. Merci beaucoup, c'est l'intention qui compte. Hein. Voilà. Hop, donc où j'en étais? Ah oui, voilà, donc on vous laisse découvrir toutes les autres salles. On a déjà ouvert 4. Donc on va passer directement à la salle tout en haut. On va détruire le dictateur qui est là en face de moi. Ces voilà, espèces de canons là. Le dictateur. J'avais son cul en face de lui. Hop, alors. Ah. Vas-y, mets un levier là qu'on passe. Où? Ici. T'es où là? T'es où là? Voilà, donc. Maintenant c'est un petit quiz, une sorte de trivial. Où il y a des questions, et il faut répondre aux questions, et si on y répond bien, mais on peut passer. Tiens. Non. Attends-moi. Je t'attendrai. Non mais sérieux. De rien. Merci. C'est moi qui ai découvert. Voilà. Oui. Je suis un gentil monsieur. Hop. Ah, tu vas vite toi. Alors. Quel est le nom du docteur Mouek? Voilà. Alga pas doué, bien sûr. Alga pas de bol, alga mauvais, alga pas doué. Voilà, ça s'ouvre. Qui est le créateur de cette map? Renwood. Voilà, Renwood. On le sait, hein. Combien de canons avez-vous déjà activé? 5. 5. 4. Ah oui, c'est le saut de Shindar, de la Redstone, un robot, un atome. Et Clément va nous répondre. Yeah. Un atome. Bon tiens, j'ai découvert des lingots d'or. Comment s'appelle le jeu dans lequel vous êtes? Attends, des lingots, ok, c'est bien. Istalis. Comment 6. Hop. Ah, attends, il y a plein de lingots d'or quand tu trouves la bonne réponse. Moi, de toute façon, je les ai tous perdus parce que je suis mort dans la lave, en fait. Donc, Ok, si tu veux. Moi, je fais-toi plaisir. Hop, boing, boing. Ouais. Comme ça, à la sortie de la map, je serai riche. Tu l'as, Star Wars Battlefront 2? Merde. Non.
ouais. J'aime pas trop les Star Wars. Il est bien, il est vraiment bien. Ouais. En tout cas, je vais faire des vidéos dessus, je vais peut-être faire des vidéos en multi dessus. Enfin, j'en ai déjà fait pas mal. Je fais des présentations de cartes. Ouais, j'ai vu, ça sur ta voilà, je vous invite à... C'est mon premier let's play, je vais faire un autre let's play de Portal 2. Et voilà. Tu viens, il y a le grand spectacle qui va commencer. J'arrive, attends, le temps que le truc à la noix avance. Donc on touche à la fin de la, à la fin de la map, où on va exploser la tête du dictateur. Donc après, je vous inviterai d'aller voir nos autres maps d'Indianacraft, de présentation de map aventure. On va, je vais souvent les faire en multi, parce que bon, tout seul, c'est un peu moins marrant. Mais j'en ferai aussi tout seul, bien sûr. Non, mais merci voilà, pour moi. Comment... Hop, heureusement je suis mort. Non mais pff, des fois t'es pas là, tu sais, et puis des fois ça vaut pas la peine de les faire en... Ouais. Oh, pas de problème, et... pas de problème. Et... Pour l'instant. Pour l'instant. Et sinon, ouais, voilà, c'est tout. Vas-y, bon, allez, fais nous sauter tout ça. On arrive bientôt à la fin de la map. 3. Ah bah non. Voilà, non, donc ça doit faire mal. La map est finie. Ah, la map est finie, Clément est mort. Ah non, même pas. Et voilà, je suis survivant. Je vous invite à aller voir nos autres épisodes de Indianacraft, mes autres tutoriels Minecraft, mes vidéos de Battlefront, mes pixel art de Minecraft, ma chaîne YouTube, mon site, le site de Clément, et c'est ça tout. Et ben voilà, c'est tout. Donc, ben, bonne map, hein. Je vous invite à la télécharger. Ciao.